Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Night Club Los Angeles Complete Edition. Ça fait un putain de nom. Enfin bref, donc on se retrouve sur My Night, donc un jeu qui a été fait par Rockstar. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Rockstar, ce sont simplement les créateurs de GTA entre autres et Red Dead Redemption, vous voyez Bully, enfin voilà, parmi tant de trucs. Donc là c'est un jeu uniquement voiture. Contrairement à GTA, qui est aussi la base pour conduire les véhicules et tout, mais qui est fait pour la plupart pour la tuerie, etc. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. J'adore GTA aussi. Et My Night Club, je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'était un jeu que j'avais quand j'étais gamin sur PlayStation 2, je crois, à l'époque. Enfin, ou c'était peut-être une autre console, mais je crois que c'était sur PS2. Et donc j'ai racheté celui-là, il était pas trop cher sur Xbox 360. Donc j'ai décidé de le racheter et je vais vous faire une petite vidéo dessus. Donc c'est sûr que graphiquement ça a pris un petit coup, mais bon voilà, il commence quand même à dater le jeu. Je sais plus quelle année il est sorti, mais voilà, ça commence à dater. Là je vais simplement essayer de continuer l'histoire. J'ai joué un chouïa au jeu. Alors je vois là-bas il y a une icône avec la clé, il y a une clé qui tourne. Je vais y aller, je sais pas comment on y rentre par contre. Ça a pas l'air d'être à droite, je vais essayer d'aller par là, je sais pas trop ce qu'il va falloir que je fasse. J'imagine que c'est un garage, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il faut pour faire les améliorations. Tant pis, on va y aller. Ah bah d'accord, en fait c'est d'où que je suis décollé. J'étais totalement con. Donc j'ai à peine commencé le jeu, donc ça va être un truc, c'est un jeu style Need for Speed, etc. Bon, c'est sûr qu'après il date, donc c'est un peu dur de juger maintenant le jeu, mais je trouve qu'il reste assez bon, et graphiquement il n'est pas non plus trop dégueulasse. Donc on va pouvoir essayer ça pendant une dizaine ou quinzaine de minutes, je pense. Ça sera une vidéo pas très longue, mais je voulais vous faire une vidéo dessus. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi de me le dire. Donc j'imagine qu'on va faire quelques améliorations, peut-être sur la voiture. Donc voilà, carrosserie, phare, vinyle, peinture. Je peux aussi te trouver de nouvelles caisses, des vrais bolides, des 100 listes d'attente. Nickel, merci. Oh, un autre gars est passé, Martin, un ami de Book. En plus, maintenant il en a marre de lui. Son nouveau credo, c'est pas d'organisation. Il a dit qu'il serait sur Sunset dans une Sirocco rouge. Ça t'intéresse? Peut-être. Très bien, à bientôt. Et une tête qui fait peur quand même, le gars. C'est trop serré. Je veux pas savoir. C'est ce qu'elles me disent toutes, mais je veux pas savoir. J'ai même pas la possibilité. Ah voilà, de faire des améliorations. Alors oui, ma caisse est toute dégueulasse. Mais c'était la première voiture du jeu donc. Elle est franchement pas belle. En plus, je déteste les capots qui ne sont pas de la même couleur que la bagnole. Enfin bref, chacun son avis. Alors, je vais regarder pour acheter des véhicules, mais ça m'étonnerait. Tu dois réparer ton véhicule avant de continuer. Bon, si tu veux. J'ai 5000 quand même. Ah, j'ai 5000. Là, je sais même pas ce que j'ai comme voiture. Bon, accélération est pas trop dégueulasse. Et bah après on va dans les voitures chères. Accélération, celle-là serait mieux, la Volkswagen apparemment. Mais je sais, achat avec reprise, essayer véhicule. Achat avec reprise, ça serait peut-être pas trop mal. La Volkswagen a l'air d'être pas trop mal. Je regarde par rapport aux autres. Mais je sais pas en fait, le bleu clair c'est quoi et le bleu foncé c'est quoi. Donc tant pis. Par contre la maniabilité elle est dégueulasse sur celle-là. Je serais plutôt tenté de prendre celle-là, qui est à peu près au milieu de tout. Et par contre, j'ai achat avec reprise. Donc je vais voir achat avec reprise. Alors, veux-tu vraiment céder ton véhicule actuel en achetant celui-ci? Oui. Donc ça se trouve, ça va me coûter moins cher, si je dis pas de conneries. J'espère. Ah, par contre, les chargements sont très longs, je trouve. Ok, oh bah purée, ça m'a rien coûté presque. Atelier maintenant, on va améliorer les performances. Ok, oulalalalala. Oulala, c'est compliqué. Non, en fait, c'est pas trop compliqué. Hop, on va mettre la nitro, un système d'échappement. En fait, que ce que j'ai pu débloquer, parce que le reste, j'imagine qu'il faut vraiment gagner plus. Ah bah, amélioration auto. Accepter. Oui, hop, voilà. Extérieur, intérieur. On va un peu la tuner, cette voiture. Alors, pare-choc avant. Ok. 1 sur 4, 2 sur 4, ok, celui-là je l'aime bien, oui. Ensuite les phares, clac. Alors qu'est-ce que t'as comme phare? Bon, je vais laisser les deux bases, on va dire.
Clac, 1 sur 4, 2 sur 4. Ouais, bah je vais mettre le 2 sur 4, oui. Ensuite, refroidisseur. Bon, je vois pas tout ce que c'est. Bah, de toute façon, on peut pas. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Si, c'est ça que je voulais faire. Véhicule, carrosserie. Ah, l'autre, je peux pas. J'ai pas encore débloqué, j'imagine. Les pneus, je les laisse parce que ça prend trop de temps. Couleur intérieure, j'imagine. Alors, néon intérieur. Avec. Ouais, couleur des néons. Cadran. Ah, je peux. Ah, si, c'est bon. Tableau de bord. Ouais, après, c'est des trucs qu'on voit pas forcément. Donc, ça, je le ferai un autre coup. Mais comme ça, moi, vous pouvez voir que. Bah, quand même, niveau personnalisation, il y a de quoi faire. Contrairement à certains jeux récents où il n'y a plus beaucoup de personnalisation. Need for Speed. Mais bon. Habitacle, volant, jauge. Ça, je laisse pour le moment. Arrière, voilà. Alors, moi, je vais plutôt m'intéresser à ce qui est visible par tout le monde. Entre autres. Alors, ça, spoiler. Pourquoi je vais mettre celui-là? Oui. Feu arrière. Alors, par contre, les feux, je les trouve dégueulasses. Que ce soit celui d'origine ou les autres. Pour d'échappement, il y a quoi? Bon, on va mettre celui-là. Et immatriculation. Ok, je peux mettre ce que je veux. Ok, bah je vais mettre je vais mettre Shadow tout simplement. Alors S-H-A-D-O-W. Ok, bon bah c'est pas grave. En fait je regardais si je pouvais à peu près centrer le truc, mais c'est pas grave. Ah, il va y en avoir pour un moment. Voilà. Ah, après on peut mettre des petits cœurs et tout, c'est mignon. Voilà. Ah, W, impeccable. Et ben on va mettre un. Il y avait quoi en signe? Alors que je regarde vite fait. On va retourner dans les premières lettres. Un petit cœur, une petite étoile, un petit plus, une petite main. Ok, bah je vais mettre un. Une petite étoile, allez. Et ensuite c'est quoi en option néon vitré? Alors couleur des néons. Ok, par contre non, mais alors attendez. Voilà, avec. Et on va mettre. Oh, je sais pas. Clac, clac, clac. On va mettre blanc parce que j'ai l'impression que niveau couleur. Ah voilà, fallait aller plus à droite. Je vais mettre bleu, teinture de vitre. Bah en fait ça teint pas comme je veux, donc on va laisser en noir. Ah voilà, opacité de la teinte. Voilà. Comme ça on voit pas ce qu'il y a dedans. Retour. Ah mais merde en fait j'ai. Oups. Payer, partir. T'as pas assez d'argent. Merde. Bah là on va enlever des trucs. On va enlever des trucs. Le spoil, le capot. Ouais, le capot on va l'enlever. Comment supprimer l'article? Oui, voilà. Hop, et on quitte. Donc là vous avez pu voir un peu l'amélioration. Ce que je voulais vous faire voir aussi un petit peu dans le jeu, vous avez pu voir quand même que niveau personnalisation du véhicule, il y a quand même de quoi faire, contrairement aux jeux récents comme j'ai dit plus tôt. Après pour ceux que ça intéresse, niveau niveau visuel. J'entends. Oula, par contre, du coup, tout ça, c'était la nitro. Niveau vue, pardon. Alors, vous avez vu l'arrière, la vue un peu plus éloignée, la vue encore un peu plus éloignée, la vue intérieure. Faites gaffe aux flics, le radar te signale quand ils sont proches. Ok. Et la vue sur phare. Et voilà, vous avez, bah voilà, classique, statique, habitacle, pare-choc et action. Moi, je vais me mettre en habitacle. Parce que depuis. Comment il s'appelle, Forza, j'ai pris l'habitude d'être là-dedans, donc bon, voilà. Et on va se faire quand même des petites courses. Alors, là il y a le feu. Alors je sais pas par où qu'il faut que je commence. Donc, je pense qu'il faut commencer par là-bas. Course au feu rouge. Les courses au feu rouge commencent à l'intersection la plus proche. Se termine à un monument particulier. Ok. Alors, je vais juste reculer. Parce que je crois que sur le jeu, faut se mettre dans la. Ah, pousse-toi donc. Faut se mettre dans la ligne. Merde, j'y arrive pas. Pourquoi ça lance pas? Pourquoi ça lance pas? Garde-toi. Oh merde. Eh ben, je suis garé, monsieur l'agent. Où c'est que vous êtes? Je me suis fait arrêter. Bon, c'est pas grave. Je voulais faire un. On va prendre, on s'en fout. Ça. Y a pas moyen de passer. Non, bon, je vais me faire arrêter. Oh bah, je redémarre. Sème les flics en te montrant plus malin qu'eux, puis reste hors de leur vue. Tu peux aussi améliorer ta réputation. Ok, et puis en plus, je débloque un succès. Bon, on va essayer de faire une petite course poursuite. Alors, par contre, tout à l'heure, j'avais trouvé le nitro et je le retrouve plus depuis. Je sais pas c'est qu'il est. J'ai essayé d'appuyer sur toutes les touches. Non, merde, ça c'est pas bon. Je crois que c'est X, mais j'ai plus de nitro en fait. Je les ai pensé tout à l'heure. Bon, ça va, les flics ils suivent pas du tout.
Alors je sais pas si c'est parce que je suis au début du jeu ou quoi, ou c'est vraiment des brels, mais il a du mal à suivre. Donc je vais essayer de m'éloigner le plus vite possible, de rester hors de sa vue. Hop. Alors, par contre les voitures sont un peu de la mousse. Vous allez me dire comme tous les jeux de bagnole, mais il y en a que ça va encore, mais là c'est vraiment de la mousse. Hop, je vais me barrer par là, et je vais attendre ici. Merde, il arrive vers moi. Ah c'est bon. Il m'a perdu de vue, c'est bon. Enfin je pense qu'il m'a perdu de vue, il manque je sais pas trop le con. En tout cas il cherche pas au bon endroit donc ça va. Par contre j'aimerais bien que ça me remette les missions, ce serait cool. Parce que là ça les met plus du tout donc ça commence à me faire peur. Pourtant je l'ai semé, je vais me mettre dans un coin, voilà, ici, ici. Voilà, impeccable. Impeccable, les courses sont démarrées. Alors, je vais pousser vous. Mais poussez-vous, bordel. Alors, on va aller à gauche cette fois-ci. Et, ouais, ta gueule, toi. Oh, merde. Ça, c'était la vue sur la carte. Quand je me suis gouré, j'ai lancé le portable. Alors, on va retourner vite fait au feu. Alors, je sais plus, faut appuyer sur un truc pour lancer la mission, mais j'arrive plus à trouver quoi. Voilà, la mission, là, elle est verte. C'est lui que je veux, en fait. Ah. Voilà. Alors... C'est écrit qu'il faut... J'ai le klaxon, mais je sais pas si trop si c'est ça. J'essaie de retrouver la touche, mais j'arrive plus. Faut lui faire un... Faut lui faire les phares, mais j'arrive plus à le faire les phares. Ah, voilà. C'est bon, c'était Y. Oups. Alors, attendez, là, il y a un souci. J'ai appuyé sur la touche, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, j'espère que c'est pas un bug du jeu. Non, c'est bon. En fait, je crois que ça va nous montrer... Voilà, le départ de la course. Des fois, il y a les chargements qui sont un peu longs. Alors, je sais pas si c'est la version 360 qui fait ça ou quoi, mais des fois, c'est assez chiant quand même. Bon, cette fois, on est parti pour une petite course. Parce que je voulais vous montrer un peu partout sur le jeu. Et bon, certains doivent connaître quand même le jeu parce que il était plutôt bon dans les anciennes consoles. Je pense que beaucoup de monde doit le connaître. Mais bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'avais envie de vous le montrer. Parce que je le trouve quand même assez intéressant, malgré qu'il date un peu, il reste toujours plutôt pas mal. Par contre, je vais... Ouais, c'est bon. Je regardais si j'étais sur la bonne route toujours. On n'a pas fait une mauvaise acquisition, j'ai l'impression. Cette voiture-là est plutôt bien. Voilà, celle que j'avais, elle tient bien la route. J'aurais pu prendre l'autre, mais l'autre, voilà, avec la maniabilité, si elle était pas top, ça aurait été chiant. Mais là, ça va. Pour l'instant, ça torche bien. Bon, l'effet de nitro est pas top, mais bon, en même temps, c'est pas... important quand même. Bon, c'est vrai que ça fait une grosse pression. Il y a toujours l'aspiration, etc. Qu'on se trouve sur la plupart des jeux de voiture. Toutes les bases des jeux de voiture sont dedans. Et notamment aussi parce que les anciens jeux de voiture étaient, pour moi en tout cas, les meilleurs, tels que celui-ci et notamment Need for Speed Most Wanted et surtout Need for Speed Underground 2, qui étaient vraiment pour moi les meilleurs jeux de voiture. Alors, je sais que certains tout ça débile d'acheter des jeux de voiture, mais moi je trouve personnellement, je crois que vous avez dit dans certaines vidéos que j'avais faites sur des jeux comme ça, que bah justement c'est un truc que tu te prends pas la tête. Moi je joue à tout, donc voilà, pour moi ça vaut tout autant de coups. Putain, il m'a doublé à la fin, l'enfoiré. À l'enflure. À l'enflure. Pour moi ça vaut tout autant le coup. Après ça dépend de ce qu'on cherche. Personnellement, moi quand je prends un jeu de bagnole, je vais pas y jouer tout le temps. On va réparer le véhicule. Il joue pas tout le temps, mais je trouve que ça fait du bien. Tu te reposes quand tu joues un jeu de bagnole, tu te prends pas la tête, tu cherches pas à comprendre, tu cherches pas à réfléchir. Et je trouve que c'est sympa toujours d'avoir ça sous la main. C'est toujours... Moi j'ai toujours un jeu de bagnole sous la main. Forza Horizon 2 par exemple, j'y joue encore. Quand je sais pas trop quoi faire, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, bah hop, je le démarre et... Au moins, voilà, sans encombre, tu te fais pas trop chier. Après, c'est vrai que malgré que certains disent peut-être que c'est pas trop dur à faire un jeu de bagnole, les derniers jeux de voiture, à part Forza Horizon 2 pour moi, sont pas fameux, notamment le dernier Need for Speed, Need for Speed tout court d'ailleurs, qu'ils l'ont appelé, était pas hyper top, il était bien, il était beau graphiquement, mais après, on reste toujours dans la personnalisation pas top, assez simpliste. Et j'étais vraiment déçu, j'avais testé la bêta, j'ai quand même acheté le jeu complet après quand il est sorti.
Mais j'ai été déçu quand même. Et de Need for Speed, j'attends plus grand chose malheureusement. Ce qui serait top, ça serait une remasterisation HD d'Underground 2 à la limite, ou voire de Bastion. Mais voilà, sans plus. Sinon, pour moi, celui qui arrive à se démarquer pour l'instant, c'est Horizon 2. Du moins la licence Forza Horizon, parce que la licence Forza Motorsport, ça reste une très bonne, simulation automobile. Mais dans le sens arcade, Horizon est vraiment pour moi actuellement le meilleur, et le restera si les autres licences de bagnole d'arcade se réveillent pas. Mais bon, ça on verra bien. Alors j'espère cette fois arriver premier, mais la circulation est pas trop mal. Non, ça, je me fais pas trop suivre. Alors, par contre la nitro, je sais plus du tout comment on la recharge sur ce jeu. Je crois que c'est qu'un boost, ou à la limite faut peut-être faire des aspirations, je ne sais plus du tout. En tout cas, j'en ai plus, donc ça me saoule un peu. On va pas du trop l'utiliser tout de suite. C'est pas grave, je vais quand même essayer. Alors je crois qu'on a passé à travers un arbre. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai à peine aperçu un petit rond sur la route. Mais bon, c'est pas grave, c'est des bugs qui arrivaient à l'époque, c'est pas méchant. Donc là par contre on va essayer de faire gaffe quand même. C'est pas méchant, ça gêne pas trop pour jouer. Hop, ça va, elle glisse bien. Alors, par contre je vois que le deuxième se rapproche, j'arrive pas à le voir dans le rétro. Je suis désolé si ça vous donne envie de vomir quand je regarde tout le temps derrière. Mais c'est un réflexe, je regarde souvent derrière, quand je suis premier je regarde tout le temps derrière. Sauf si je vois sur la minimap que j'ai une longueur d'avance de ouf. Mais quand c'est pas le cas, je regarde tout le temps derrière. Il y a aussi un truc sur ce jeu, quand une voiture se rapproche de vous, je vais pas dire de conneries, mais vous avez un flashbang vers la direction qu'elle va arriver. Alors je suis pas sûr, mais je crois que c'est sur celui-ci. On va essayer de tourner. Voilà. Ouais, si c'est sur celui-ci, là il était à gauche. Il reste derrière. Oh merde. Bon bah comme ça je suis repassé deuxième, fait chier. Ah d'accord, il m'a doublé carrément loin. C'est le souci aussi de tout le temps regarder derrière, c'est que bon bah tu peux te prendre une bagnole. C'est un peu le souci. Bon, moi je suis arrivé deuxième, ça c'est pas dernier. J'ai un peu du mal hein, sur ce jeu, je vais pas vous mentir. D'habitude les jeux de bagnole, j'arrive quasiment tout le temps premier, sauf en ligne. En ligne, bon, je me fais laminer, mais sur le solo, j'arrive tout le temps premier. Et c'est vrai que celui-là, j'ai un peu du mal. Dès le début du jeu, j'ai galéré. Il y en avait un, c'était pire, je sais plus c'était quoi, mais l'autre jeu que j'avais détesté. Mais celui-là, c'est vrai que j'ai du mal à arriver premier. J'arrive souvent deuxième, parce que souvent, à cause d'une connerie, voilà, je me prends une bagnole vers la fin, ou voilà. Mais c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est plus du fait de moi qui fait le con plutôt que le jeu. Que la bagnole, bon bah c'est une bagnole de base, donc eux aussi sont de base, les bagnoles qui sont avec moi, toute logique, ils sont au même niveau. Il y a des niveaux de difficulté sur la carte, ceux qui sont entourés d'un vert, c'est les faciles, les oranges, les jaunes, c'est les moyens, et les oranges ou rouges, je sais plus, c'est les difficiles. Alors je sais pas si par exemple quand votre voiture va être meilleure, la couleur va changer, c'est-à-dire que ce qui était jaune devient vert, ce qui était rouge devient orange, devient jaune. Je sais pas, j'ai pas fait attention, mais en tout cas je sais qu'il y a ce niveau de difficulté là, puisque j'essaie tout le temps de prendre. Oh bordel le bâtiment. J'essaie tout le temps de prendre des vertes. Bon, j'ai franchement, sans vous mentir, j'ai juste fait trois courses au maximum. J'ai dû faire trois courses au maximum pour tester un peu, puis après j'avais d'autres jeux qui arrivaient et que je voulais plus jouer. Comme je vous le dis, moi, les jeux de voiture, c'est plus un à côté, entre guillemets, une petite pause entre deux gros jeux. Mais donc j'ai testé vite fait 2-3 courses pour me mettre dans le bain, pour voir s'il me plaisait. Je l'ai pas payé bien cher, hein. Je crois que sur les soldes Xbox Live, il devait être dans les alentours de 3 voire 5 euros maximum. Il était vraiment pas cher, c'est la complète édition, donc voilà, il y a tous les contenus qui étaient sortis, j'imagine. Ou je sais pas s'il y avait des contenus ou quoi. Mais en tout cas, c'est la complète édition, j'ai pas fait gaffe à ce qu'elle contenait. Parce que non, je me suis pas plus intéressé que ça au contenu. Par contre, toi, j'aimerais bien que tu me doubles pas. Merci, tu restes derrière, s'il te plaît. T'es bien gentil. Hop, on va continuer par là. Et je crois qu'il y a aussi les motos, mais je ne sais pas si c'est dans celui-ci ou pas. Mais je crois qu'il y a les motos également. Il y avait un Might Knight avec les motos. Ça se trouve, je dis complètement une connerie, c'est pas le cas. Mais voilà. On va arriver pour la première fois premier, alléluia! Hop, premier. Ça fait plaisir. Impeccable. Repartir en virée. Hop, oui. Bon bah comme ça au moins on aura fait quelques courses. Donc j'espère que cette vidéo sur My Night Club Los Angeles
complète édition vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à mettre un j'aime si ça vous a plu. Pour mercredi prochain, bien entendu, on se retrouve sur du Assassin's Creed Rogue, et pour le dimanche d'après, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on se retrouve pour mercredi. Sur ce, c'était Shadow Nightmare, geekez bien, et à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.